Grâce à l'intelligence artificielle, il est maintenant possible de créer des matériaux innovants et intelligents de manière ultra rapide. Bon, enfin, quelques mois quand même. Mais c'est déjà bien mieux que les méthodes traditionnelles en laboratoire qui peuvent prendre des années et qui nécessitent beaucoup de ressources. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment l'IA révolutionne la R&D en chimie des matériaux, puis des exemples de projets réussis et d'entreprises qui se sont déjà positionnées sur ces technologies. L'intelligence artificielle permet une rapidité et une précision sans précédent. Elle permet, premièrement, d'analyser les tendances du marché, les activités des concurrents, les avis des clients, les indicateurs économiques pour identifier les futures tendances et exigences. Deuxièmement, elle est capable d'analyser d'énormes bases de données contenant d'innombrables connaissances scientifiques, des brevets, des articles, et extraire les informations pertinentes et ainsi avoir une vue d'ensemble des connaissances actuelles. Troisièmement, grâce à des modèles avancés comme les réseaux neuronaux et les algorithmes de régression, l'IA est capable de prédire les propriétés et le comportement de nouveaux matériaux, de simuler leur comportement dans diverses conditions et de proposer de nouvelles structures matérielles. Et la preuve de cet engouement, c'est l'arrivée en force de nombreux acteurs ces dernières années, comme la start-up française Altrov, A-Lab ou encore Citrine Informatics. Altrov se concentre sur la création d'alternatives aux matériaux contenant des terres rares, car ces derniers sont entourés de nombreux défis géopolitiques et économiques. Citrine Informatics, une entreprise américaine spécialisée dans l'industrie des matériaux, utilise des algorithmes avancés d'apprentissage pour analyser des données relatives aux propriétés, à la composition et aux performances des matériaux, et donc permettre aux ingénieurs de prendre des décisions fondées sur des données de manière plus efficace et efficiente. Enfin, A-Lab, créé par le département de sciences et d'ingénierie des matériaux de Berkeley, a synthétisé 41 nouveaux composés en seulement 17 jours. Le tout avec des processus autonomes et une intervention humaine minime grâce à l'intégration de l'IA et de la robotique. On se croirait presque dans de la science-fiction. Bon, vous l'avez compris, l'intégration de l'intelligence artificielle dans la science des matériaux révolutionne complètement la R&D en matière de nouveaux matériaux. Mais malgré toutes ces avancées, il reste quand même un tas de défis à relever, notamment en matière d'intégration des données, de développement d'algorithmes et de traduction des connaissances en IA. Si vous voulez en savoir plus, venez lire notre article en cliquant sur le lien en description.